Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va écouter Ibawan Bidesera. C'est sorti il y a 4 jours. 4 jours, 4 jours, et c'est ça. Et mon double album intitulé Mon Empire volume 1 et volume 2 est toujours disponible sur toutes les plateformes. C'est d'accord mon pote, on est ensemble. Allez, let's go. Ibawan Bidesera. Qu'est-ce que c'était que ça là, frère? Mon Dieu! Ah! Il y a sample. Je sais plus c'est quoi le sample, mais c'est très très connu. En tout cas, il y a eu du sample. C'est bien, il tente de faire un hit sur un son samplé. Tiens, allez, juste pour la culture musicale. Déjà, est-ce que je connais le titre? Non, laisse tomber. Je connais pas le titre, mais en tout cas, il est très 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 très, très intelligent d'avoir cherché ce titre et samplé. Enfin, samplé, c'est pas lui qui a la prod, mais je sais même pas s'il est au courant. Non, si, il doit être au courant parce qu'il fait le refrain dessus et qui est en accord avec le son. Donc, en tout cas, très belle idée d'avoir fait ça. Allez, let's go. Un petit John Cena comme ça. TG, Team Gladia. Oh là là, la rapidité, mon Le son, il est propre. Le clip, il est bien fait. For John Cena, who been gone, and who knew that manque un truc. Toujours aussi rapide, technique. Ah, franchement, il est toujours à un niveau, ce mec. C'est un bon son, mais je trouve qu'il manque quelque chose dans ce son.
trouve qu'il manque un petit truc. Voilà, terminé. Je trouve que c'est un son qui passe bien. Il a été intelligent, il a cherché peut-être une vibe que tout le monde connaît. Peut-être que les gens vont se rappeler, peut-être qu'ils vont se dire ah, il a fait ce titre, donc il va peut-être plus facilement passer en radio. Ou je sais pas si il passe facilement en radio ces sons ou pas. En tout cas, personnellement, il manque un truc pour moi pour que je kiffe le son. Et il manque peut-être une mélodie un peu plus street. Et peut-être que la mélodie samplée, elle est peut-être un peu trop. Peut-être trop. Genre un peu. Pas pop, mais genre le truc. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est. De l'Europe. Truc européen. Europe dance, là, un truc comme ça. Là. C'est un peu ce style-là. Le sample. Et. Je trouve que ça colle peut-être pas avec Ibawan, en fait, j'ai l'impression. Mais après, voilà, il a tenté un truc et ça peut fonctionner. Moi, j'ai pas trop accroché. Après, voilà, moi, je vais juger que les couplets comme d'hab. Hein, c'est toujours rapide, technique. Il pose toujours bien sur la prod et c'est pas un souci. Mais après, voilà, moi, la prod, là, c'était pas... Malgré que je pensais que ça aurait pu être un bon truc, une bonne idée de l'avoir fait. Je disais ça au début de la vidéo, mais finalement, je trouve que... Il aurait dû peut-être ne même pas miser sur le sample. En plus, si tu commences à déclarer le sample, faire ça, et derrière, c'est pas ouf. Après, voilà, peut-être que ça va prendre énormément. Après, c'est que mon goût personnel, bien évidemment. C'est juste moi et mon avis de mec qui écoute de la musique. Donc voilà. Voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine. Et bien sûr, toujours un grand Ibawan, toujours. Il est toujours à un niveau constant. Après, pour moi, c'est la prod qui allait pas trop. Donc ça collait pas. Mais toujours au niveau des couplets, la rapidité technique, il pose. Après, tu peux poser rapide, mais ne pas être fort. Mais je trouve qu'il a quand même. Il a quand même quelque chose. Donc voilà. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao.